place donc à la couverture. Donc pour ça, j'ai coupé mes petites cartonnettes. Là, ça fait 16, elles font toutes 16 de haut, évidemment, par 11 pour la plus grande. Pour la tranche, donc 16 par 2,5. Et pour la couverture avant, ça fait 16 par 6. Voilà. Alors, j'ai choisi un papier de lipot de colle. Voilà. Hein, vous pouvez retrouver sur la boutique Scrap Déco Home. Donc, c'est le papier bois crème. Celui-ci est légèrement un peu plus jaune. Et je trouvais que ça se mariait mieux avec la collection au winter. Voilà. Alors, pour coller ma cartonnette, je m'aide d'une règle pour que ça soit droit et d'un petit morceau de chute pour me guider au niveau de l'épaisseur. Je laisse toujours 1 mm de plus pour que la fermeture soit plus facile. Je coupe au cutter tout le tour de ma couverture, hein, surtout bien droit, pas au niveau de la pas rentrée, en fait la lame rentrée, hein, vraiment la lame droite, hein, sinon vous allez avoir un problème au niveau de votre cartonnette. Maintenant place à la couverture intérieure, donc je me bêtise, voilà, mais c'est pas grave. Je me sers de cette colle que vous pouvez retrouver en boutique Scrap Déco Home. Voilà, j'étale comme je peux et puis ben, je vais prendre la colle là, directement sur sur ma table en verre. Moi, ce n'est pas du tout l'idéal, mais bon, c'est comme ça, ça arrive. Voilà, donc on essaye de faire avec et surtout de ne pas en mettre sur la couverture. Ça serait bien dommage. Surtout, n'oubliez pas de passer le plioir sur votre papier. Vous voyez, là, il y a une petite bulle en haut. Donc, je passe le plioir et là, il n'y en a plus. On marque bien, donc... les tranches de la reliure pour que la fermeture se fasse correctement et on continue. Alors attendez bien que la colle soit bien sèche avant de faire ceci, parce que je croyais avoir bien attendu, et en fait, non. Hein, il y a un petit souci au niveau du bas, ça a un petit peu, vous allez voir, frisé là. Je trouve ça dommage, donc j'aurais dû attendre au moins 10 minutes de plus, ça aurait été mieux. Voilà, j'essaye de rattraper le truc, mais non, c'est pas... voilà, vous voyez, ça, faut pas le faire, donc attendez vraiment bien, bien que ça sèche. Je trouve ça dommage de se louper à ce moment-là. On passe maintenant au montage du mini-album.
Alors, j'ai tracé à 1,5 cm donc du bord, de chaque bord, un petit trait. Hein, et je vais faire ensuite des petits marquages pour faire les petits trous tous les 0,4 cm. En haut et en bas. Et je ferai la même chose pour mes petits feuillets. Mais là, évidemment, il n'y aura que les petits trous à 1,5 cm à faire. C'est important pour pas qu'il y ait trop d'écart et surtout pour au niveau de la hauteur, hein, qu'on n'ait pas une un peu plus haut, un peu plus bas, c'est pas très joli au final. Donc voilà. Après il suffit de les effacer et puis ça fonctionne très très bien. On ne voit plus rien et comme ça on est sûr d'être à la bonne hauteur et surtout d'être bien aligné. Alors là, c'est le montage, voilà. Donc je passe une petite ficelle, voilà, dans le premier trou, voilà ce que je fais. Et ensuite, je vais faire mes petits nœuds à l'extérieur. De toute façon, cette partie ne se verra plus. Donc voilà, bon là, je l'ai choisi de le faire en haut. Vous pourriez le faire en bas, au milieu, enfin peu importe. De toute façon, ça ne se verra plus au final. N'oubliez pas aussi de bien serrer vos nœuds, hein, pour que le livret reste bien en place. C'est beaucoup plus joli comme ça. J'ai bien relié tous mes petits livrets et là je passe donc au cache de la petite reliure, voilà, ficelle là. Ce que je vous ai pas dit, quand vous collez la petite partie rouge là qu'on voit, ne la collez pas jusqu'au bout, hein, pour qu'on puisse glisser le papier en fait en dessous, voilà. Et c'est un papier qui doit faire 14 comme le papier imprimé en fait au niveau de la longueur. Après bah, évidemment voilà, moi j'ai dû faire 1,5 cm la largeur de ma reliure et puis après bah, voilà, par derrière je pense qu'il y a 5-6 cm et je colle tout petit à petit, voilà. J'oublie pas ma petite page centrale en fait qui va tenir tout le livret. La petite page centrale, c'est la petite carte 3D qu'on a fait ensemble.
maintenant on passe au petit système de commande de fermeture avec les aimants. Là j'ai choisi cette petite étiquette. J'essaye voilà, de la mettre au milieu et puis je fais des repères voilà, avec mes petits aimants. Enfin, c'est quelque chose d'habituel. Voilà, je vais scotcher le premier pour que ça tienne bien en place. Je vais mettre la petite déco de derrière et je vais faire la même chose en fait de l'autre côté. Pour fermer mon petit élément pop-up, j'ai choisi de mettre une petite flippette papier parce que je n'avais pas de coloris comme je voulais. Bon, honnêtement, c'est peut-être pas très utile de le faire, mais j'avais envie de le faire. Surtout, faites-le à ce moment-là avant de coller évidemment votre partie sur la cartonnette. Alors, je choisis de mettre du double face rouge pour coller à ma cartonnette mon mini album, en tout cas le centre de mon mini album, et j'ai rajouté un petit peu de colle. Ça, c'est une astuce qu'on peut faire les petits double face comme ça qui collent très très fort. On met un petit peu de colle en fait pour pouvoir dire qu'on peut le bouger un petit peu, sinon c'est mort quoi, on peut pas le bouger. On passe à la fermeture de l'album avec le petit clic et le ruban. Donc cette colle ne va pas du tout pour faire ça. Il aurait fallu la colle HU, la verte là. Donc voilà, donc j'ai en fait choisi de faire des petits points de couture et ça marche très très bien. Là je vais mettre ma petite colle par contre qui fonctionne bien ici avec un petit die cut de la collection. Et voilà le résultat. Alors je reviens vers vous pour le résultat donc de ce mini moment magique. Voilà, c'est comme ça que je l'ai appelé. Donc alors voilà, c'était, je suis partie de ce modèle là et voilà le modèle qui est Noël avec la collection Au Winter de Florilège Design. Donc voilà, alors on a l'impression qu'il est plus grand, mais non, en fait il est pas plus grand, mais je sais pas, c'est le coloris un peu plus clair qui fait qu'il est un peu plus grand. Donc j'avais pas tourné en vidéo la décoration d'ici, parce que franchement voilà, il était tard et puis c'était pas au niveau luminosité, c'était pas top. Là c'est pareil, mais bon, il n'y a rien d'exceptionnel hein. J'ai fait vraiment le principal. Voilà, hop, je vais l'ouvrir avec vous. Donc ici, j'ai mis des petites fleurs un peu poinsettias hein, pour rappeler mince, ce petit décor-là. Voilà ce que ça donne. Et là, voilà. Ici, ce que ça donne. Là, le petit aimant. Voilà. J'ai mis, il était une fois là, une petite bande, la chienne qui voulait rentrer. Voilà, c'est chose faite. Donc voilà, je fais un petit zoom. Voilà. Alors mince, je saute une partie. Alors évidemment, ça peut se faire. Hein, vous avez bien vu, les thèmes se changent. Voilà, c'est un mini.
Je ne vous ai pas montré toutes les pages, c'est vrai. Alors, je vous avais montré celle-ci. Celle-ci, je ne vous l'ai pas montré. Donc, je ne vais pas aller trop vite. Voilà ce que ça donne. Alors, ça, c'est des petits embellissements que j'avais fait juste avant. Voilà, je m'étais amusée à faire ça. Et puis, j'ai collé sur mes pages. Vous voyez, il y avait quand même un peu d'épaisseur avec toutes ces petites étiquettes bois comme ça. Ici, j'ai choisi d'utiliser des petits tambours à broder, des dies de chez Florilège, avec des petits nœuds, un petit nœud et puis une petite étiquette. Voilà, et ici, le petit dépliant, où je n'ai rien mis parce que à l'intérieur, parce qu'il y avait quand même pas mal de petites choses. Voilà, et un autre petit embellissement. Donc, c'est vrai que ça fait plus épais que celui-ci, mais bon. Une photo, en fait, j'ai pris en photo ma décoration parce que bien évidemment, je n'ai pas encore de photo de Noël. Je ferai un autre mini-album pour les photos de famille de Noël. En tout cas, je croise les doigts pour qu'on puisse la fêter en famille. Comme ça, j'aurai un souvenir de ma déco de 2020. Là, ici, voilà le petit trio. Voilà, j'ai pas tout filmé parce que là il n'y a rien de technique. Hein. J'ai pas filmé toute la décoration, le processus de décoration. Je sais que vous aimez bien, mais ça prend beaucoup de temps. Là, j'ai mis le petit. J'ai ma petite nièce avec moi. Le petit. Comment. La petite. Mince, je vais y arriver. La petite échelle de chez Karine, les ateliers de Karine. Avec la petite biche, je la trouve très jolie. Vous voyez, encore un embellissement, donc évidemment ça fait un peu de voilà, ça fait un petit peu de comment d'épaisseur. Voilà, là alors là je l'ai fait, je sais pas, j'ai dû filmer celui-là, oh je sais plus. Là j'ai pris une chute de papier parce qu'évidemment j'avais plus les petits, je vais vous montrer, je n'avais plus. Alors j'avais plus ceci, voilà. Les petits diapos comme ça, donc ben, il suffit de prendre un petit carré de chute de papier, vous évidez l'intérieur et le tour est joué. Voilà, ici, voilà, hop, ensuite ici, alors ici, voilà, avec le gros nœud vert là. Avec les petites maisons. Là, j'avais pas en fait de petites flipettes qui, voilà, en métal de la couleur que je voulais. Donc j'ai fait avec ça. Bon, ça tient pas terrible, mais bon, c'est pas très grave. Un petit embellissement avec, on retrouve le papier blanc bossé avec les flocons là. Et voilà la petite carte. On va élargir un peu la petite carte interactive comme ça avec des petites maisonnettes. Voilà. Qu'il faut aider un petit peu parce que je pense que ce qui gêne un petit peu, c'est les petites branches. Donc il faut les aider un petit peu, mais bon, ça c'est pas grave. Et voilà mon projet. Donc le tuto de mon mini que j'avais appelé La vie est belle, je crois. Voilà. Donc ici, j'ai mis un peu plus de commandement. Après, il faut se. Faut se. Comment. Faut s'adapter. Hop. Voilà, alors je vais les mettre tous les deux à côté. Écoutez, surtout si vous refaites ce tuto, n'hésitez pas à m'envoyer via mail ou je sais pas, Instagram, Facebook. M'envoyez vos petites photos, ça fait toujours plaisir de voir que vous refaites mes petites créations. Voilà, désolée. Vous faites mes petites créations, je trouve que c'est motivant et en fait on voit que ça vous plaît et puis que vous êtes partante pour faire mes petits tutos. C'est seulement, comme je vous dis, un peu de travail quand même. Donc voilà, en tout cas, mettez un petit pouce en l'air si vous aimez ma petite vidéo. Et puis bon, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!